Hey Matelot, ici Defro pour aujourd'hui un tutoriel sur la réalisation d'une maison sur Minecraft. Et du coup, cette fois-ci, on va faire un format de construction, un format de vidéo un petit peu différent. C'est-à-dire que je vais créer la maison en même temps que vous. Et donc, du coup, je vous propose de regarder la vidéo en entier avant de savoir comment faire la maison vous-même, hein, histoire de revenir et d'avoir toutes les informations. Voilà, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui, lorsque je fais des tutoriels, refont la maison en même temps que ce que je fais dans la vidéo. Du coup, voilà, c'est pour ça que je vous préviens. Et essayez plutôt de regarder la vidéo en entier avant de faire ça, si jamais vous avez des informations qui pourraient manquer, tout ça, tout ça. Donc ce que je vous propose de faire, c'est une ancienne ferme sur la base d'une ferme médiévale, mais qu'on va rénover voilà, de manière plus comme on a envie, parce qu'après tout on fait ce qu'on veut. Alors moi ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais utiliser de grès pour faire la base de la maison, et je vais la faire qui porte par ici là par exemple. Hop, voilà, donc par exemple j'ai commencé en mettant un grand rectangle ici qui fait 10 blocs de large sur 24 blocs de longueur, et puis au bout là-bas j'ai fait des petits rajouts, donc de 10 blocs de large ici là vous voyez, et là-bas ici, et donc de ce côté là on a rajouté juste 3 blocs de ce côté là et ici 10 blocs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 blocs ici, à ce niveau là voilà, pour voir un peu ce que ça fait. Évidemment les murs qu'il y a à ce niveau là on n'est pas obligé de les garder, c'était plus pour un repère qu'autre chose. Je vais monter ces murs là à 3 blocs de hauteur. Hop. Alors du coup maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les planches de bois de chêne noir, ok, avec les demi-blocs de bois de chêne noir. On va voir ce que ça va pouvoir faire avec toute cette histoire, si tant est que je les retrouve. Je les ai retrouvés, magnifique. Alors du coup ce qu'on va faire avec ça, c'est qu'on va faire des charpentes en fait. J'ai envie de tester de faire des charpentes sur la partie au-dessus. Tadam, voilà ce que ça donne. Alors du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé du coup des blocs de chêne noir, comme ça, des planches de chêne noir, pour reprendre un peu la même teinte. Des peintres vernis, enfin des poutres vernis, ok, et donc je les ai placés par dessus tout ça, ce qui fait que en gros je les ai décalés de un bloc en plus par rapport au mur, ok, ici de cette partie là je les ai décalés donc de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blocs par rapport au bout du mur ici, ok, et j'ai mis des piliers comme ça au niveau du dessous. Et je les ai fait dépasser de tous les côtés du mur, là, vous voyez, hein, ils dépassent d'un côté ici, de un bloc ici sur le côté. À l'arrière ici, donc, dans l'alignement par rapport à l'autre bout, ok, ils dépassent de 4 blocs, ok, par rapport au reste des poutres ici. De l'autre côté, pareil, hein, ils dépassent de un bloc ici sur toute la longueur. Au-dessus de ce bloc-là, on en a mis 1, 2, 3, 4, donc en tout, les charpentes font 5 blocs de hauteur, d'accord. Et on en a mis, du coup... Hop, on a fait prolonger les piliers qu'il y a au niveau des bouts ici, comme ça on les a prolongés ici, de 4 blocs à chaque fois, ici de 4 blocs, il y a 6 blocs entre chaque pilier à ce niveau-là au niveau de notre maison. Ici on en a tout jusqu'au bout, et j'ai mis aussi, vous voyez, des espèces de blocs en diagonale comme ça pour faire un peu les mêmes charpentes qu'il y avait dans au Moyen-Âge, hein, tout ça, là où on mettait du torchis après entre les murs, c'était un peu ça l'idée. Et donc du coup, vous voyez, j'ai fait un truc très très simple, hein, au final, c'est juste mettre des blocs par-dessus les murs, comme ça. Au niveau de l'intérieur, on est vraiment comme ça que ça se présente, d'accord. Donc j'ai fait passer des grandes poutres comme ça qui permettent de relier chaque bord à l'autre de la maison ici comme ça. Et au niveau du dessus, eh bien j'ai fait la même chose qu'au niveau d'en dessous, hein, voilà, donc avec des grandes poutres comme ça qui traversent un peu partout. Voilà tout simplement. Et donc une fois qu'on a ça, maintenant je vais vraiment fignoler les murs et mettre le plancher au niveau de chaque étage. Et hop. Alors du coup maintenant ce que j'ai fait, c'est j'ai fait un petit peu le sol, déjà au niveau de l'extérieur, vous voyez, j'ai entouré un peu les poteaux au niveau du bas, plus un peu le côté de la maison, avec de la stone brick, pierre taillée du coup en français, j'ai toujours l'automatisme de parler avec les mots anglais comme c'est lors des versions bêta, hein, du jeu, vous voyez, donc toute cette partie là ici, vous voyez, entre les piliers tout autour de cette partie là de la maison. Donc du coup au niveau de l'intérieur de la maison, du coup j'ai aussi mis le sol en bois, bon on verra ce que ça va donner, classique. On verra quand même les poutres qui dépassent, hein, à l'intérieur de la maison. Comme vous pouvez le voir aussi au niveau des coins de la maison, j'ai rajouté de la brique directement incrustée dans le mur. Je voulais changer le... Je voulais pas utiliser ça à la base, mais je me suis rendu compte que mon pack de textures n'était pas tout à fait à jour. Donc il faudra que je le mette à jour, hein, je vous le mettrai dans de la prochaine vidéo, hein, depuis le temps qu'on me demande mon pack de textures. Enfin bref. Et donc du coup, au niveau du dessus, j'ai juste rajouté, bah, comme vous pouvez le voir, deux planches de chêne, hein, comme lors du premier étage. Ou alors, classique,
On va pas se mentir. Et donc du coup maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de rajouter des murs ainsi que la partie qui va accueillir le toit, donc ça on fera plus tard. On va faire les murs déjà avec les fenêtres pour voir un petit peu ce que ça donne. Et hop, voilà ce que ça donne du coup avec les fenêtres de mise. Alors du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai rempli le mur ici au premier étage avec du grès. Voilà, j'ai mis ensuite au niveau de l'intérieur, on va pouvoir le voir, des espèces de poutres comme ça qui viennent au milieu du mur. Voilà, pour encadrer la fenêtre un petit peu, tu vois, avec tout du grès autour. Et par-dessus tout ça, j'ai rajouté des espèces de pancartes avec des demi-blocs au-dessus et au-dessus, en dessous et au-dessus de la petite fenêtre. Et évidemment, des vivitres, 2-3 fleurs par devant. Et puis, j'ai mis ça, la même fenêtre, un peu sur tout le pourtour de notre petite maison. Alors, sauf sur ces parties-là, évidemment, où j'avais mis des espèces de blocs en diagonale pour refaire un petit côté médiéval, tu vois, qui ressort un petit peu. L'idée, c'est pas de faire une maison médiévale, hein, c'est de faire une maison d'un style médiéval, mais au final, je fais ce que je veux. C'est plutôt une maison de, comme on pourrait dire, moderne, mais reprise dans un style médiéval, tu vois ce que je veux dire? Bon, bah, c'est pas grave, bref. En tout cas, c'est ça que j'ai fait. Et du coup, voilà un petit peu. Alors, ça rend plutôt bien, moi, je trouve. Je vais vous remontrer ce que ça donne au niveau de l'intérieur. J'ai mis un escalier de 3 blocs de large. Comme ça, on a la place. Et c'est vrai que ça rend déjà plutôt bien. Hein. Au niveau de l'intérieur, on se sent déjà chez nous. Alors que les murs ne sont pas mis ni tout rien. Voilà, je cause pas très bien la France, mais vous aurez compris ce que j'ai dit. Normalement. En tout cas, voilà. Donc, voilà, pas grand chose à vous dire sinon que bah finalement c'est des petits détails qui rendent déjà quelque chose de beaucoup plus sympathique. Et maintenant ce qu'on va faire ça va être le toit et je vais tester différents styles de toit, donc avec de la brique, avec des pierres, avec de la pierre taillée, ce genre de choses. Et je vous montre un petit peu ce que j'ai trouvé. Voilà une partie du toit du coup où je suis plutôt satisfait. J'ai fait plusieurs tests à vrai dire et du coup voilà un petit peu ce que ça donne. J'ai fait qu'une partie du toit pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Alors l'idée c'est qu'en premier lieu j'ai mis une ligne comme ça de grès par dessus la plus haute poutre sur tout le long de la maison, ici vous voyez hein, comme ça sur tout l'extérieur, même à l'intérieur de la maison ici comme ça, voilà sur toute la longueur. Et que du coup j'ai fait une espèce de pyramide de d'escalier en briques par-dessus ça, vous voyez, donc de 1, 2, 3, 4, 5 étages d'escalier en briques, et au sixième, j'ai mis que des demi-blocs, vous voyez, pour faire un toit vraiment plat au niveau du dessus, sur 4 blocs du coup de large au niveau du dessus, et regardez du coup la coupe du toit, hein, ce que ça donne depuis l'intérieur, ça donne un truc un peu comme ça. Voilà, alors du coup ce que j'ai fait en plus c'est que j'ai rajouté un demi-bloc de, comment on appelle ces trucs là, de dalles de pierre tout simplement, sur le long de notre partie du mur à ce niveau là, des escaliers sur le côté ici parce que au niveau du bout du toit j'ai fait une espèce de tranche comme ça vous voyez, donc j'ai rajouté des escaliers en, comment on appelle ce truc, je trouve pas mes mots moi, c'est une catastrophe, en briques rouges là voilà, qui descendent un peu de ce toit là. Et qui dépasse du coup de notre mur ici de 3 blocs, enfin plutôt de 2 blocs de briques, et on a rajouté une ligne de dalle de pierre par-dessus, ok, et qui vient du coup avec des escaliers en dalle en escalier en pierre ici, des dalles sur toute la longueur ici, et re des escaliers et re des dalles de l'autre côté. Alors j'ai essayé d'ailleurs de mettre des escaliers ici sur la tranche, hein, vous voyez, à la place de la brique, ainsi que là et une ligne de pierre au milieu pour donner, pour rajouter du contraste. Alors effectivement ça rajoute du contraste mais je préfère comme ça malgré tout. Donc voilà, c'est ce toit là qu'on va mettre du coup partout sur toute la largeur du bâtiment. Alors du coup voilà ce que ça donne et ça rend plutôt pas mal, moi j'aime bien, regarde moi cette histoire là. Oui, alors on est encore loin que ce soit fini, hein. Il manque encore tous les, comment on appelle ça, les fenêtres au niveau du toit, il manque toutes les finitions qu'on pourrait faire, mais ça commence à prendre de la tronche, hein, n'empêche, regardez-moi cette histoire là, magnifique. Et donc regardez ce côté là, j'ai pas encore fini ce côté là spécialement pour vous montrer en direct, pour ceux qui voudraient refaire la maison eux-mêmes. Alors une fois que vous avez un côté de la maison qui est comme ça, hein, comme celui qu'on avait laissé tout à l'heure, vous rajoutez toute une ligne de grès au-dessus, comme ça, puis une petite pyramide comme ça de grès au-dessus, d'accord? Alors pas entière la pyramide, hein, tout le dessus, on va pas l'enlever, enfin on va pas le mettre. On va juste laisser 1, 2, 3, 4 blocs maximum de hauteur de grès au-dessus de notre poutre à ce niveau-là, ok?
Une fois qu'on a ça, l'idée c'est qu'on va venir prendre ce bloc là, tu vois, et ouvrir ici. On va rajouter, on va le remplacer plutôt par des blocs de bois de chêne noir, ok. Et on va mettre de la même façon des piliers comme ça directement dans notre grès. Voilà, pour faire des poutres un petit peu, d'accord. Une fois qu'on a ça, du coup, on va venir rajouter la toiture par-dessus. Donc là, rien de bien compliqué, quelque chose de plutôt classique. On va prendre des escaliers en briques, du coup, et on va les rajouter comme ça par-dessus notre charpente. Paf, paf et paf. Ok, donc là, rien de bien compliqué. Au niveau tout du dessus ici, et c'est là qui va être la petite particularité, c'est qu'on va venir rajouter des escaliers dans ce sens-là, d'accord. La même chose ici, on va prendre ce bloc là et on va mettre par-dessus, hop, la façade. Ok. Ce dernier bloc ici en dessous, on va le décaler de deux blocs par rapport au mur. Et on va venir le mettre sur la longueur ici comme ça pour le recoller de l'autre côté. Pour avoir un toit, vous voyez, qui commence à se faire bien ici comme ça. Alors, l'idée c'est que les deux autres escaliers ici, on va tout simplement les mettre à deux blocs décollés du mur aussi. De chaque côté, évidemment, du mur, ça sera plus intéressant. Hop. Voilà, donc là, on a notre forme de toit qui est faite. On va venir rajouter les escaliers et les dalles de pierre, ici, comme ça. Donc, sur un bloc par devant, les escaliers aussi. Hein. Hop, ici, sur la longueur, à ce niveau-là. Hop, 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 hop. Ok, et on va venir rajouter les escaliers. Pouf, pouf, par-dessus les escaliers de briques qu'on vient de mettre. Hop, et hop. Et vous voyez que là, on commence à avoir notre toit qui est fait. Alors du coup, on va venir rajouter un petit peu d'épaisseur. Alors là, c'est selon les goûts. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne sur les autres façades. Vous voyez, sur les autres façades, j'ai rajouté des escaliers à l'envers pour donner plus d'épaisseur au toit, sans en mettre au niveau des escaliers en pierre, hein, juste au niveau de la brique. Et donc, ça vous fait un peu plus d'épaisseur. Hop, moi ici de ce côté-là, il n'y a pas encore mis d'épaisseur, et donc vous pouvez constater un peu la différence entre les deux. Voilà, après c'est selon les goûts, vous les mettez ou pas. Moi je vais quand même les mettre parce que c'est plus swag, je trouve. Voilà. Et puis du coup, maintenant il ne reste plus qu'à relier l'arrière des briques ici au reste du toit. Donc là, rien de bien compliqué. On prolonge tout simplement nos briques vers l'intérieur de la maison, tout simplement. Hop, si tant est que j'arrive à cliquer au bon endroit. Vous savez que c'est toujours un running gag chez moi. Hop, vous voyez, je place les blocs un peu trop loin. En fait, pour ceux qui voudraient savoir aussi, j'ai le mode de More Command disponible sur PC qui permet de cliquer plus loin si j'ai envie, vous voyez. Voilà, donc ça c'est plutôt pratique, surtout en créatif. Hop, 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 et donc il nous suffit maintenant, voilà, de relier le toit. Hop, au reste. Et enfin, ça fait facilement 3 quarts d'heure que je suis sur ces fenêtres, voilà. Et donc, j'ai galéré rien que pour trouver l'emplacement et la forme et tout. Donc du coup, les fenêtres, j'en ai deux à vous proposer, parce que je suis généreux, voilà, c'est comme ça. Il y a deux sortes de fenêtres, donc là c'est la première sorte de fenêtre, très sobre, hein, on va dire, avec un toit en dalle de briques comme ça, tout fin, qui se pose voilà, sur une fenêtre classique, qui ressort du mur de cette façon-là. Ok. Soit il y a des fenêtres plus classiques, qui sont elles avec une vraie charpente et tout, tu vois, donc dans ce style-là, avec des escaliers en pierre par-dessus pour donner un contraste un peu plus prononcé, avec là une vraie forme de toit pour les fenêtres, tu vois. Donc c'est quelque chose qu'on voit un peu plus souvent sur Minecraft, mais qui rend quand même vachement bien. Donc vous avez les deux. Voilà, je vous laisse voir un peu sur tous les angles ce que ça donne au niveau de la maison. Et c'est vrai qu'elle commence à prendre de la tronche à la maison, on va pas se mentir, elle commence vraiment à être stylée. En tout cas moi j'aime bien, regardez toutes les planches et les poutres qui font vraiment bien dans tous les sens comme ça, c'est... Ah, moi j'aime bien. Donc du coup voilà, vous avez les deux styles de fenêtres. Alors pour les faire c'est très simple, hop je vais enlever celle-ci, hop voilà, c'est-à-dire qu'il suffit tout simplement de faire un trou de 4 blocs de large dans le toit, vous voyez comme ça, hein, directement au-dessus de la partie en grès qu'on avait mis l'autre coup, hop, on fait une ouverture comme ça de 2 blocs de hauteur, et on met des escaliers, pas du tout, des blocs complets ici comme ça, de grès, et on va rajouter tout simplement par-dessus soit des dalles en briques pour faire ce style-là de fenêtre. Voilà, donc avec aucun autre changement. Et on les place tout simplement, hop, comme ça, par-dessus. Voilà, les briques,
en les faisant dépasser d'un bloc sur les côtés. Voilà, donc ça c'est le style tout bête hein, de la fenêtre, hein. Je vous fais pas le reste parce que c'est évident. Et pour pouvoir faire l'autre style de fenêtre qui est de l'autre côté ici, il suffira tout simplement de reprendre exactement la même chose, sauf que à la place des dalles ici, eh bien on va mettre hop, des blocs de grès à ce niveau là, et on va venir poser des escaliers comme ça par dessus, vous voyez, hop hop hop, paf paf paf, etc, etc, et vous voyez, on aura la même chose au final que de l'autre côté. Et donc voilà, bon, moi c'est plutôt dans ce style là que j'ai envie de faire la maison, donc je vais faire ce style là et après on va faire les finitions. Ok, donc j'ai fait l'intérieur de la maison en grottant, donc ça a pris un peu de temps. J'ai pas fait la décoration d'intérieur non plus. Je vais vous montrer un petit peu, c'est-à-dire un peu l'agencement des pièces que j'ai fait, les charpentes et tout ça. Donc on arrive à l'intérieur de la maison, il y a l'escalier juste à côté. Ok, bon là vous avez tout une pièce à l'arrière de l'escalier. Hop, j'ai mis une cloison comme ça. Alors sachant que au-dessus du grès ici comme ça, vous voyez, il y a la poutre qui passe naturellement, hein. C'est pas moi qui l'ai rajoutée, elle était là déjà. Et donc du coup bah, j'ai mis un mur à cet emplacement là en mettant des poutres comme ça sur le côté, ça peut être bien. Voilà, la même chose ici. Du coup il y a tout un tas de pièces ici comme ça qui peuvent être utilisées pour des chambres, pour la cuisine, pour des entrepôts de ferme, genre de choses. Hop. Pareil du coup à l'étage, alors à l'étage j'ai fait une série de poutres de, comment on appelle ça, de charpentes de ce côté là de la maison, vous voyez. Et de l'autre côté j'ai fait une mezzanine un peu avec un escalier pour monter à l'étage. Alors dans cet étage là finalement il y a cette grande pièce centrale qui peut servir de salle à manger par exemple, qui est plutôt sympa, moi j'aime bien avoir les grandes poutres comme ça, les grandes charpentes, ça j'aime bien honnêtement. Et puis sur le côté vous avez le reste des pièces que vous pouvez, voilà, utiliser pour un peu tout ce que tu voulais là, au final. Hop, ici pareil, ok, voilà. Hop, et de l'autre côté il y a même une toute petite pièce qui est rikiki, qui fait deux blocs de large et qui nous permet d'avoir une jolie vue sur une grande prairie qui n'est pas aménagée encore, hein. Hop, donc on fera les maisons au fur et à mesure sur cette map là. Et puis voilà, donc ça nous fait plein de petites chambres comme ça. Et à l'étage, du coup, c'est une grande mezzanine avec tout un tas de charpentes collées aux fenêtres. D'ailleurs, voilà, les fenêtres ici, ces trucs que j'ai rajoutés qui permettent d'avoir, voilà, une luminosité, de la lumière qui passe dans notre grenier finalement. Puisque là, c'est, oui, c'est la mezzanine grenier finalement. Et non, il n'y a toujours pas de joueur dans le grenier pour faire la blague. Hop. Et donc, du coup, de l'extérieur, il y a juste eu un petit rajout. Vous voyez, ce sont ces petites vitres là, qui sont entre les deux poutres à ce niveau là et que j'ai mis sur tout l'ensemble des côtés de la maison. Et du coup maintenant ce qu'on va faire, ça va être vraiment la dernière finition de la maison, qui vont être l'ajout de la cheminée, les verdures, les reliefs et un petit peu tout ça, et on va faire ça tout de suite du coup. Et donc voici pour les finitions. Et là d'un seul coup, voilà, je vais vous faire un petit peu le tour de la maison, je vais vous la laisser regarder comme ça, et vous allez peut-être remarquer que bah elle est un peu mieux qu'avant. Vous savez peut-être pas forcément où, de quoi, de qu'est-ce, je vais vous dire les finitions que j'ai faites du coup à la fin. Et puis voilà, d'après vous, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui aurait pu être encore amélioré peut-être? Et qu'est-ce qui est vraiment bien du coup? Voilà. Alors en gros, ce que j'ai fait par-dessus la maison que vous avez déjà vue il y a quelques secondes, c'est que j'ai rajouté, vous voyez, des escaliers en bois comme ça pour, dans le prolongement des poutres comme ça, des piliers pour soutenir le toit ici, comme ça de chaque côté. Hop, vous voyez, donc à ce niveau-là. Ici, 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 et après tout autour de la maison, ainsi que du coup des escaliers comme ça pour soutenir la charpente au niveau du premier étage, donc entre à ce niveau-là, vous voyez, en dessous des piliers, ici, 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 au niveau des piliers porteurs à ce niveau-là, vous voyez. Donc ce sont des escaliers en bois, du coup, qu'on met à l'envers pour pouvoir symboliser un peu le fait que ce soit des trucs pour porter quelque chose, voilà, donc des renforts, hein, tout simplement. Donc ça c'est déjà la première chose. Deuxième chose aussi du coup, c'est la cheminée qu'on a mis là-bas, donc dans le croisement entre deux parties du toit ici, avec de la pierre tout simple, des escaliers, des demi-blocs et des escaliers, pas du tout, des toiles d'araignée pour faire un petit peu une fausse cheminée, enfin une fausse fumée qui sort de la cheminée. Ça fait toujours sympathique. Et évidemment, le gros hippopotame dans le couloir, je sais pas pourquoi je dis ça, c'est les grosses feuilles comme ça, plein de grosses feuilles que l'on met du coup par-dessus la charpente au niveau
de notre poutre ici, vous voyez, qui longe notre mur. On va en rajouter plein ici comme ça. Donc pour que ça fasse un peu un gros paquet de feuilles comme il y a dans les maisons traditionnelles de l'ancien temps, voyez-vous. Et donc on en met comme ça sur tout le long de notre... alors pas tout le long non plus de la maison pour pas que ça fasse surcharger. C'est vrai que c'est ça un peu le côté un peu difficile de ce style de maison là, un peu médiéval. C'est que on va très rapidement dans le surcharger. Ce qui est à éviter au maximum. Donc on peut faire tomber des feuilles un peu comme ça, hein. Évidemment faut pas faire trop, mais on peut en mettre pas mal là où il y en a besoin, ici comme ça. Et donc voilà, hein, ce genre de choses peut au final vous donner ce style de maison là, qui est à mon sens très sympa. Moi j'aime bien vraiment ce type de maison là, j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre ce que vous en avez pensé en commentaire, dites ce que vous avez fait aussi du coup vous-même en commentaire ou voilà, peu importe, ou sur le Twitter, même si je vais plus depuis des mois sur Twitter. Bref, du coup, on se revoit la prochaine fois pour un autre tutoriel sur cette map là aussi. Sur ce, je vous souhaite à tous un très bon jeu, bon vent matelot, et à la prochaine!